Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour mes séries espagnoles 3. C'est une vidéo que j'ai commencé à écrire il y a un peu longtemps quand même. Il y a des séries que j'ai totalement finies, des séries que je n'ai pas encore finies mais que j'avais envie de vous conseiller et j'avais envie d'en parler. Donc voilà, je suis juste super excitée à l'idée de faire cette vidéo. Et oui, je porte le même t-shirt que je portais, je crois que c'était en 2017. Je crois que c'était en 2017 pour du coup la première édition de mes séries espagnoles, qui est d'ailleurs une vidéo, je crois que c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, que j'avais adoré faire et que je pensais vraiment qu'elle allait avoir zéro vue puisque personne à l'époque s'intéressait aux séries espagnoles, et finalement je me suis bien trompée. Donc voilà, mes séries espagnoles 3, c'est parti. La première série dont je veux vous parler, vous allez vite comprendre pourquoi je vais vous en parler, puisque il y a une saison 2 qui a été annoncée, et une saison 2 assez spéciale. C'est la série La Cathédrale del Mar, qui à la base est une mini-série de 8 épisodes, donc d'une seule saison. C'est une série tout ce que j'aime, romantique, historique, qui a du sens, vraiment c'est du 14e siècle donc en Espagne, et en fait on a un homme qui va se battre entre guillemets toute sa vie pour réussir et faire en sorte que son fils réussit. Ça se passe, comme je vous le dis, dans l'Espagne du 14e siècle, donc c'est l'époque où vraiment il y a un gros creux entre les pauvres et les riches, et bien évidemment la bourgeoisie va être totalement contre cet homme et il va se battre. Et encore une fois, c'est une mini-série que j'ai regardée en une fois, une sorte de téléfilm en fait, et du coup je pensais que la série était terminée parce que pour moi c'est vraiment, ça fait une sorte de boucle, et finalement non, il y a une saison 2 qui a été annoncée. Et en fait, pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que la saison 2 qui a été annoncée, elle a été annoncée avec donc le nouveau personnage, le nouvel acteur principal qui va être Ion González. Ion González, qu'on connaît pour son rôle bien évidemment de Francisco dans La Casa del Cable, mais aussi pour son rôle de Julio Olmedo dans Grand Hôtel. C'est un de mes acteurs espagnols préférés, je l'adore, vraiment je l'adore, et en plus de ça j'avais beaucoup aimé la série, donc je me dis qu'avec lui ça risque d'être vraiment juste génial. Cette série, elle ressemble beaucoup aux Piliers de la Terre, je sais pas si vous connaissez les Piliers de la Terre, qui sont à la base des gros romans de Ken Follett qui ont été adaptés avec Eddie Redmayne en acteur principal. Il y a eu aussi Hayley Atwell, il y a eu 2 saisons avec des personnages totalement différents, et je les avais regardés à l'époque et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé, et j'avais toujours eu envie de lire les livres, mais honnêtement je l'ai jamais fait parce que vraiment ils sont comme ça. Et quand j'avais vu La Cathédrale del Mar, c'est vraiment tout ce que j'aime, comme je vous le dis, d'époque. En plus de ça, c'était espagnol, donc vraiment leurs petits accents, etc. J'adore, et je vous conseille cette série, mais non pas à 100%, mais à 2000%, si vous aimez voilà, les séries d'époque, etc. D'ailleurs, je vous mettrai juste ici, ou juste ici, j'oublie tout le temps, dans le petit i, du coup, mes séries d'époque, la vidéo que j'avais fait, vraiment, elle en vaut la peine. Alors, si vous aimez les séries d'époque, foncez. Là, la deuxième série dont je veux vous parler dans cette vidéo, elle est beaucoup plus longue, elle fait 62 épisodes et ce n'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, c'est bien évidemment La Esclava Blanca, qui est une série, une telenovela colombienne de, je crois que je l'ai déjà dit, 62 épisodes, que j'ai juste adoré, que j'ai regardé je crois en un mois, trois semaines, un mois, je regardais que ça tellement j'avais aimé. Cette série se passe à l'époque de l'esclavage en Colombie, et en fait il y a une jeune héritière, un bébé, une jeune héritière orpheline, qui va se retrouver par un jeu de conséquences à être élevée par une famille d'anciens esclaves noirs, et à un moment donné ils vont se retrouver séparés, donc des années plus tard, et donc sa famille adoptive va se retrouver remis à l'esclavage, je sais pas trop si on peut dire ça, mais elle va être remis à l'esclavage, et elle va essayer de les sauver tout simplement, et de récupérer surtout son héritage, puisque je vous ai dit que c'était une héritière, mais donc elle a tout perdu en soi. C'est une série donc historique, romantique, telenovela, vraiment j'ai kiffé, j'ai adoré, je vous ai même fait un coup de cœur dessus, donc je vous la conseille elle aussi à 1000%, mais il faut avoir du temps pour la regarder du coup parce que les épisodes sont un peu longs et il y en a énormément. La troisième série que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une mini-série aussi, je crois qu'elle faisait 6 épisodes, et je l'ai trouvée sur Netflix, donc avec un VPN, Netflix US je crois, et je l'ai regardée en espagnol sous-titré anglais, comme La Esclava Blanca, j'avais fait pareil, espagnol sous-titré anglais, sauf que La Esclava Blanca d'ailleurs vous pouvez la trouver directement sur YouTube en français. Mais c'est Secreto Bien Guardado, donc secret bien gardé je crois, enfin
La logique veut que ce soit ça, mais vraiment sur Netflix, elle s'appelle Secreto Bien Guardado et je vous l'écrirai comme d'habitude juste en bas. C'est une série argentine. Oui, c'est une série argentine. Donc cette série, c'est une série qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est une histoire d'amour entre une juive et un soldat nazi. J'adore, je sais, c'est bizarre. Franchement, je le sais, mais j'adore ce genre de film généralement. J'ai regardé beaucoup de films, dont celui avec, je crois que c'était Lily James, que j'avais beaucoup aimé, et aussi Un village français, que j'avais aussi beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce genre de film romantique. Là, en l'occurrence, c'est une série, mais pareil, c'est une mini-série, donc ça se regarde clairement comme un film. Et les acteurs, ils sont juste super cute, ils sont super beaux, j'aime beaucoup l'ambiance. Et après, bien évidemment, on parle d'une mini-série argentine, donc faut pas s'attendre à un truc hollywoodien. Au niveau des acteurs, ils sont pas... on va dire qu'ils sont pas bons à 100%. Il y a des scènes qui pourraient être beaucoup mieux jouées, mais ça m'a pas empêché de vraiment apprécier. Et je vais pas vous mentir, j'ai pleuré pratiquement toutes les larmes de mon corps. J'étais dans une période où je pleurais sur absolument tout ce que je regardais. Et là, clairement, bien évidemment, tout ne se passe pas bien. Hein, vous en doutez s'il y a 6 épisodes. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Donc vraiment, encore une fois, je vous la conseille à 100%. La quatrième série et je suis enfin capable de vous en parler, c'est pas la première fois qu'on va en parler dans mes séries espagnoles, c'est bien évidemment Tiempos de Guerra, Temps de Guerre, Times of War, c'est Morocco Loves in Times of War si vous voulez le titre en anglais parce que je sais qu'elle est assez trouvable en anglais maintenant, mais c'est une série que j'ai galéré à regarder avant de connaître tout ce qui est VPN etc. Je l'ai cherché pendant un bail, je vous en avais parlé d'ailleurs dans mes séries espagnoles 2 ou 1, 2 je crois. C'est une série avec comme personnage principal Amaya Salamanca qui joue dans Grand Hôtel, qui joue Alicia Alarcón, que pareil j'adore comme actrice, alors franchement j'étais juste super contente de voir encore une fois une série ancien temps avec elle. Cette série c'est un drame de guerre qui se passe au Maroc où on suit un groupe d'infirmières et un groupe de soldats aussi en partie donc pendant la guerre au Maroc et vraiment j'ai beaucoup aimé. Après je n'ai pas encore terminé la série parce que j'étais à fond dans les 2-3 premiers épisodes et après j'ai trouvé d'autres séries donc j'ai jamais réellement terminé. Ce que je peux vous dire c'est que vraiment Ramon Campos donc qui est le créateur de la série, qui a aussi fait Altamar, qui a aussi fait Grand Hôtel, vraiment je l'adore, a fait du très bon boulot. J'arrive juste pas en fait à détacher Amaya Salamanca de son rôle dans Grand Hôtel. Après ça c'est souvent moi, ça veut pas dire que l'actrice est mauvaise, c'est juste que moi je me suis habituée, j'ai collé ce personnage là, j'avais eu le même mal en fait avec Francis, le même mot avec donc l'acteur Ion Gonzalez qui jouait Francisco dans Las Chicas del Cable, puisque moi je le voyais que dans Grand Hôtel en rouleau et puis finalement je me suis habituée, mais la série est plutôt cool, donc si vous aimez les autres séries de Ramon Campos je vous la conseille elle aussi à 100%. Et enfin la dernière série que je veux vous présenter, c'est aussi une série que je n'ai pas terminée mais en fait elle est assez longue, elle fait 82 épisodes, 2 saisons, elle m'a été conseillée par une abonnée qui s'appelle Amanda que je remercie mais vraiment beaucoup. C'est une série sur laquelle je m'y serais pratiquement pas intéressée sur Netflix parce que j'avoue que moi je regarde beaucoup les images, enfin les posters des séries et... elle m'aurait pas du tout attirée et elle m'a dit mais si et tout, je vois que t'aimes les séries espagnoles et tout, regarde celle-là, elle s'appelle El Dragon. Comment elle s'appellerait sur Netflix, parce qu'elle est sur Netflix France, elle s'appelle El Dragon, truc d'un guerrier. Le destin d'un guerrier, je crois. De toute façon, je vous l'écrirai. Elle est sur Netflix France. Comme je vous dis, 2 saisons, 82 épisodes. Cette série, c'est une série mexicaine et c'est tout simplement un homme d'affaires donc qui est basé en Asie qui se retrouve à devoir rentrer à la maison au Mexique pour en gros hériter du cartel familial et pour s'occuper du cartel familial. Alors honnêtement, c'est le genre de série qui au premier abord, tout ce qui est cartel, etc. Il y avait eu aussi, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, la série que tout le monde conseille et que la Reina del Sur, je crois,
J'ai pas réussi en fait. Tout ce qui est cartel, drogue, etc., c'est pas le genre de série qui m'intéresse. Et finalement, celle-là, bah, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je suis en retard sur pratiquement toutes mes séries, donc je l'ai pas terminée. Mais à en écouter Amanda, c'est une série juste géniale. J'ai commencé, hein, donc j'ai regardé une quinzaine d'épisodes, je crois. J'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et je pense que quand je vais m'y remettre, je vais juste tout enchaîner, puisque la saison 2, elle est sortie entre-temps. Quand Amanda me l'a conseillé, il n'y avait que la saison 1. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler parce que peut-être que vous cherchez des séries et peut-être que vous la finirez avant moi. En tout cas, si vous avez regardé la série, n'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas à parler de toutes les séries. Mettez juste spoil, bien évidemment, si vous allez spoiler. Je suis juste trop contente d'avoir cette vidéo. J'arrive pas à croire que c'est ma troisième vidéo sur mes séries espagnoles. Franchement, qui l'aurait cru il y a 3 ans que je serais sur cette troisième vidéo. Moi-même, je crois que j'aurais pas cru en regarder autant. J'étais vraiment, vraiment très fermée, très dans séries anglaises, américaine, voilà, à part les 4 que je vous avais présentées dans la première vidéo. Et puis finalement c'est vraiment un genre de série à part en fait. C'est des séries que j'adore et Ramon Campos, franchement, si je pouvais le rencontrer un jour, je serais juste trop 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 contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.